Créez un compte sur le site Doctolibre afin de prendre des rendez-vous avec des spécialistes en centre hospitalier ou polyclinique. Ouvrir le site Doctolibre. Bien vérifier que vous êtes sur le bon site. Il y a beaucoup de sites, ce qu'on appelle des fakes. Sites semblables, mais en fait ce sont des sites pirates. Vous êtes bien sur le site Doctolibre. Tapez le nom de votre spécialiste. Pour l'exemple, nous allons prendre Docteur de Rieppe à Cholet. Docteur de Rieppe à Cholet. Cliquez sur de Rieppe. Vous atterrissez sur la page d'accueil afin de prendre les rendez-vous. Vous pouvez lire les annotations et à droite pour prendre rendez-vous en ligne. Pour commencer, il faut choisir son motif de consultation. Pour commencer, il faut choisir son motif de consultation. Cliquez sur le petit ascenseur. Vous choisissez votre motif. Pour l'exemple, nous allons prendre un bilan auditif enfant de 3 à 10 ans. Vous apercevez qu'il n'y a pas de rendez-vous de disponible avant le 20 juin. Sur le 20 juin, il ne reste plus que déjà que 3 rendez-vous. Il n'y en a plus le vendredi. Choisissez l'heure désirée. Cliquez dessus. Lisez les annotations. Cliquez sur « J'accepte ». Lisez la suite « J'accepte ». J'ai lu et j'accepte les consignes. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur « Se connecter ». Si vous n'avez pas de compte sur Doctolibre, nous allons en créer un. Tapez votre numéro de téléphone. Votre adresse mail. Confirmez votre adresse mail. Vérifiez qu'elle soit bien identique. Entrez un mot de passe. Vous pouvez vérifier votre mot de passe en cliquant sur le petit œil. J'accepte les conditions. Je souhaite rester connecté, ceci vous évitera de rentrer à chaque fois votre adresse mail et votre mot de passe, et cliquez sur s'inscrire.